Ouais, ben voilà. Et si tu veux, pour l'anecdote, donc si y a le chapeau, c'est Dave Lang. Je crois qu'il est de Californie et moi j'étais déjà fan. Waouh. En fait, quand je suis monté sur le podium, je en fait, ils ont fait des 5 premiers. Ils ont pas. Ok. Donc, du coup, bah, ils annonçaient le cinquième, le quatrième. Bon, bah, je me suis dit, c'est dans ma tête, au pire des cas, j'avais fait cinquième, je m'imaginais jamais. Et après, j'entends Dave Lang, donc du coup, je dis, ah ouais, trop cool, Dave Lang et tout. Après, Joe Atkinson, je dis, ah bah ouais, il a trop bien roulé. Après, il y en a un encore et tout. Bon, je regarde autour de moi, mais sans plus. Je commence un peu à partir, je me dis, bon, je vais voir où sont mes affaires quand même. Là, on m'appelle. Et qu'est-ce qui passe? Ah, tu t'y attendais pas du tout. Bah, ouais, en fait, je savais que j'avais bien roulé. Mais j'avais fait la compète dans un état d'esprit de se dire tellement, j'ai aucune chance. Donc du coup, j'ai même pas regardé ce que j'avais fait. J'ai fait mon run, mais j'ai pas pris de recul sur moi-même. Mais des fois, c'est limite mieux d'être le outsider. T'as peut-être moins de pression quand t'es pas encore attendu et du coup, tu peux faire la surprise. Oh bah là, je peux te dire, j'avais zéro.